Organiser un colloque comme celui d'Urquiaque, vous êtes plusieurs à l'avoir fait aussi au cours des dernières années, c'est prendre soin de notre patrimoine. C'est ce patrimoine, cette communauté de pratique qui existe depuis presque 30 ans. Alors, en s'inspirant, bien sûr, des expériences du passé, mais en ayant le souci de rester vraiment branché sur les défis qui se posent devant nous et, bien sûr, sur le perfectionnement de nos savoirs. Pour y arriver, on vous propose des conférences, une série d'ateliers diversifiés et aussi une réflexion sur des inspirations et des incontournables en lien avec notre pratique. Ça, c'est deux mots-clés tout au long du colloque. Inspiration, incontournable. J'en profite pour attirer votre attention sur le mur là-bas, le mur des inspirations, tout au long du colloque, et vous pourrez aller indiquer une inspiration que vous avez eue, soit en atelier ou en m'écoutant présentement. Vous avez des post-it sur vos tables, vous pouvez les écrire là-dessus et aller les coller. Et ça, c'est important, les inspirations, les incontournables, ça va nous suivre tout au long des deux journées. On porte votre attention aussi sur le cahier des participantes qui a été fait avec amour et avec créativité, justement. À la page 17, on vous a préparé quelques cartes de visite autocollantes que vous pourrez utiliser, aller coller dans le cahier d'un autre. Alors, ça, c'est intéressant. Et aussi, ce qu'on veut vous dire, c'est que si vous avez des questions tout au long du colloque, vous pouvez repérer un porteur ou une porteuse de chapeau fluo. On a Charlène ici qui a un chapeau fluo avec un point d'interrogation. Alors, vous n'hésitez pas. Il y a 3 ou 4 couleurs. Et il y a aussi la table des solutions à l'entrée de la salle ici où vous pouvez vous adresser à tout moment pour des questions. On me dit que la soirée des étoiles et la dégustation des bières au Lion Pub, c'était bien hier? Oui? Donc, c'est bien parti. On va vous faire voir des étoiles au sens propre et au sens figuré, finalement, c'est ça. Good. Comme vous l'avez remarqué dans la programmation, on fait référence de façon régulière à une chanson bien connue de Louis-Jean Cormier, « Tout le monde en même temps ». Alors, à la lecture de cette chanson-là que nous vous avons transmise à la page 2 et 3 de votre joli petit cahier du participant, vous remarquerez à quel point la poésie, pour nous en tout cas, colle avec notre thème « Créer ». Se tenir, notre richesse, c'est le monde. Alors, laissons un des artisans de cette chanson nous adresser quelques mots. Salut tout le monde, c'est Louis-Jean Cormier qui vous parle en direct du Vieux Clocher de Magog, où on est en train de s'installer, de faire un test de son pour une soirée. Voilà, on m'a demandé de vous saluer, parce que c'est un super gros colloque en ce moment que vous vivez. Donc, j'aimerais saluer tous les organisateurs, organisatrices communautaires, rassemblés devant moi, ici, présents, juste là, un petit peu là, par là, par là. Puis aussi tous les autres acteurs de l'intervention collective. C'est vraiment un gros travail que vous faites, et c'est un beau travail, et j'aimerais prendre un petit moment pour vous dire à quel point j'apprécie ce que vous faites. Dans une de mes chansons, je chante une phrase qui dit « On joue au solitaire, tout le monde en même temps ». Puis ça, ben finalement, c'est pour décrier un peu ce problème-là. Je pense que si on s'y mettait tout le monde ensemble et on arrêtait de jouer au solitaire, on ferait des grandes choses. C'est pour ça que vous vous réunissez et je vous souhaite de rester créatif surtout. J'aimerais ça que vous soyez créatif et que vous ayez les meilleures idées du monde. Vous vous rassemblez, on se retrousse les manches et on travaille pour le bien commun et pour un avenir meilleur pour tout le monde. Alors voilà, c'est un petit mot d'encouragement. Je vous aime. Je ne connais pas encore, mais ça sent. Puis bonne fin de colloque et puis amusez-vous. Salut!